Bonjour, bienvenue chez L'Enlivreuse, ma chaîne littéraire à thématique variable. L'Enlivreuse. Je m'appelle Anne. Dans la vraie vie, oui, parce qu'en ce moment, en fait, on n'est pas vraiment, vraiment dans la vraie vie, mais d'habitude, dans la vraie vie, je suis comédienne de voix off, donc vous pouvez m'entendre sur des publicités, des documentaires, du livre audio, de la bande-annonce, en fait, à peu près, en gros, tout ce qui se fait avec son organe vocal. Dans une autre vie, j'ai été chanteuse aussi, donc j'ai l'habitude pas mal de me servir d'un micro, d'où le fait que j'en ai un ici chez moi. Oui, parce que je suis chez moi, on a l'impression que je suis dans une magnifique comédie à l'italienne avec un grand rideau rouge et que derrière il y a une scène de 15 mètres de profondeur. Pas du tout en fait, derrière c'est la fenêtre. Je vais profiter de cette période un peu bizarre qu'est le confinement pour vous faire partager une de mes passions. Je vais vous faire découvrir des œuvres littéraires, des bouts, modestement, des bouts d'œuvres littéraires et de poésie par thème. Et là, eh bien, il se trouve que pour les jours, semaines, j'espère pas moi, mais quelques temps en tout cas à venir, je vais vous présenter des textes autour de ce thème du confinement, de l'enfermement. Pour commencer, je vais vous parler d'un petit livre qui fait 88 pages, pas une de plus, et qui est à mon sens pas mal de circonstances puisqu'il s'appelle « Voyage autour de ma chambre ». Il a été écrit à la fin du XVIIIe siècle, en 1794, par Xavier de Maistre, qui était le frère du contre-révolutionnaire Joseph de Maistre, dont vous avez peut-être entendu parler. En fait, Xavier de Maistre était militaire, il avait participé à un duel interdit, et il avait été, si ce n'est emprisonné en tout cas, assigné à résidence. Donc, ce charmant narrateur s'est retrouvé enfermé pendant 42 jours dans sa chambre. 42 jours, c'est 42 chapitres. Et pendant ces 42 chapitres, il va raconter, avec le ton qui était utilisé à l'époque pour raconter les récits de voyage, parce que c'est l'époque des grands explorateurs, et ben Xavier de Maistre va nous raconter une grande exploration à l'intérieur de sa chambre et surtout à l'intérieur de lui-même. Ma chambre est située sous le 45e degré de latitude selon les mesures du père Beccaria. Sa direction est du levant au couchant. Elle forme un carré long qui a 36 pas de tour en rasant la muraille de bien près. Mon voyage en contiendra cependant davantage, car je traverserai souvent de long en large ou bien diagonalement sans suivre de règles ni de méthodes. Je ferai même des zigzags et je parcourrai toutes les lignes possibles en géométrie si le besoin l'exige. Je n'aime pas les gens qui sont si forts, les maîtres de leurs pas et de leurs idées qui disent « Aujourd'hui, je ferai 3 visites, j'écrirai 4 lettres, je finirai cet ouvrage que j'ai commencé. » Mon âme est tellement ouverte à toutes sortes d'idées, de goûts et de sentiments, elle reçoit si avidement tout ce qui se présente, et pourquoi refuserait-elle les jouissances qui sont éparses sur le chemin si difficile de la vie? Elles sont si rares, si clairsemées, qu'il faudrait être fou pour ne pas s'y arrêter, se détourner même de son chemin pour cueillir toutes celles qui sont à notre portée. Il n'en est pas de plus attrayante, selon moi, que de suivre ses idées à la piste, comme le chasseur poursuit le gibier, sans affecter de tenir aucune route. Aussi, lorsque je voyage dans ma chambre, je parcours rarement une ligne droite. Je vais de ma table vers un tableau qui est placé dans un coin. De là, je pars obliquement pour aller à la porte. Mais, quoique en partant mon intention soit bien de m'y rendre, si je rencontre mon fauteuil en chemin, je ne fais pas de façon et je m'y arrange tout de suite. C'est un excellent meuble que le fauteuil. Il est surtout de la dernière utilité pour tout homme méditatif. Dans les longues soirées d'hiver, il est quelquefois doux et toujours prudent de s'y étendre, mollement, loin du fracas et des assemblées nombreuses. Un bon feu, des livres, des plumes, que de ressources contre l'ennui, et quel plaisir encore d'oublier ses livres et ses plumes pour tisonner son feu, en se livrant à quelques douces méditations ou en arrangeant quelques rimes pour égayer ses amis. Les heures glissent alors sur vous et tombent en silence dans l'éternité, sans vous faire sentir leur triste passage. J'adore ce petit bouquin parce que
il nous fait réaliser qu'au lieu de s'abîmer dans l'action, de se divertir dans le monde en expansion, eh bien, il suffit parfois en fait de regarder les petits détails de notre décor quotidien pour faire un immense voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Je finirai sur cette citation du Xavier de Maistre en question qui disait « Le plaisir qu'on trouve à voyager dans sa chambre est à l'abri de la jalousie inquiète des hommes, il est indépendant de la fortune. » Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ce texte et cette petite vidéo, n'hésitez pas à me mettre, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, le pouce en l'air. Si vous avez détesté cette vidéo, vous mettez le pouce en bas. Et bien, si vous avez surtout apprécié ce texte confiné, eh bien, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, sur Instagram. Je crois que c'est important, dans la période qu'on vit en ce moment, eh bien, qu'un peu de poésie et un peu de littérature, parce qu'on a le temps, contrairement à d'habitude, se propage. L'enlivreuse, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour vos oreilles et surtout, n'oubliez pas, enlivrez-vous !